Donc là, on va continuer un petit impossible peu. Impossible de t'embrouiller avec un mec qui a voyagé dans la texture sonore. C'est les mecs qui disent je vais te mettre un bon pif, je vais t'en coller une, mon gars, tu vas voir. Tu sais pas par où elle est partie, que tu sais pas où elle va arriver. Ça ouais. Sonne un peu comme un prout. Safia, ça fait longtemps que tu fais de la musique. T'es une artiste qu'on adore. Merci. Qu'est-ce qui a fait que la musique, c'est devenu quelque chose de très important dans ta vie? Je jouais de la guitare pour faire des reprises de genre Lady Gaga, Céline Color, des trucs un peu indie, mais plus du pop, genre. Et t'as appris toute seule à faire de la guitare? Ouais, sur YouTube. Wow. Et c'était vraiment cool parce que j'ai appris à jouer de la guitare à l'envers pour la première semaine. Fait que je croyais que toutes les frettes ici, ils étaient là. Fait que c'est ça. Puis là, à un moment donné, ma mère, elle m'a inscrite de force à un festival. Puis là, je me suis fait plein d'amis. J'ai joué mon premier spectacle. Il y avait genre 800 personnes. C'est vraiment intense. Puis après, j'ai rencontré... Pour ton premier concert, oui. T'as joué devant 800 personnes? J'ai joué 3 chansons, genre. Oh, mais c'est incroyable! Ouais, c'est vraiment... Moi, j'ai joué devant 20 personnes pour mon premier concert. C'est fou, je sais, c'est super bizarre. Puis après ça, j'ai rencontré des gens. Puis là, j'ai signé dans un label. Puis là, c'était comme un genre de conte de fées. Bah ouais, en fait, ta vie, c'est un conte de fées. Hein. Ouais, puis ça. Et alors, il devait y avoir une chanson pour ce conte de fées. Ça serait quoi? Ben, ça serait Céline. Céline. Ben Céline Dion, hein, parce que moi je l'appelle juste Céline. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi. C'est comme si t'étais, elle faisait partie de la famille. Quoi. Ben oui, c'est ma mère. C'est pas vrai, là, mais c'est pas pourquoi, c'est comme le plus jeune que je me souviens, elle est là dans... Ben pas là pour vrai, genre, ouais. Mais dans mes souvenirs. Je me souviens quand elle a fait sa pause pour avoir ses enfants, j'étais vraiment fâchée. J'étais comme fuck you, Céline, que tu m'abandonnes comme ça. Quelle chanson t'aimerais qu'on fasse? My Heart Will Go On, la chanson que j'ai sûrement écoutée en 28 ans le plus souvent. Ah ouais, c'est la BO de ta vie. Ouais, ça veut dire que probablement que dans ma vie, on sera en 1912, je serais sur un bateau puis je mourrais. Pour tout cet amour qu'elle a pour toi, Céline, tu es obligée d'écouter cette version qu'on va faire. Every night in my dreams, I see you. Je crois que c'est la meilleure version que j'ai entendue actuelle de ce titre. J'adore. Du coup, t'as fait beaucoup d'albums. Est-ce qu'il y a un morceau qui a changé ta carrière? Ben, la chanson Igloo, c'est la première chanson que j'ai écrite.
Fait que c'est la première chanson avec laquelle j'ai l'impression que j'ai fait un petit peu de chemin. Tu l'as enregistrée avec quel âge? 19, genre, un truc de même. Ouais. Ça fait presque 10 ans. Tu aimes toujours autant la performer? Non, je suis tellement tannée de la jouer puis de la chanter parce que c'est vraiment comme une plus chanson française qui, je pense, qui est comme moins près de qui que je suis comme artiste, mais en même temps que je peux pas renier parce que c'est vraiment le début de mon truc, tu sais. Et si on faisait une version que t'as jamais faite? J'adorerais, peut-être que je l'aimerais. Beaucoup de pression. On espère. On va tenter ça. Les nuages s'écroulent sur ma tête, la mer avale mes pieds. Le vent, comme un sale trait, s'amuse à me faire plier. Et tout bonnement, je perds la carte, sans jamais vraiment retrouver ma place. J'accueille J'adore mon expérience. Moi, j'adore. Oh, j'ai comme pris les pouces. J'espère que ça t'a donné envie de redonner plaisir à ton public et de la refaire pour eux. Ouais. Ce qui la réclame, à mon avis, c'est qu'ils en ont besoin, comme toi, t'as besoin d'un morceau de Céline Dion. Ouais, vraiment. Comme moi, dans ma tête, je suis comme allez chier, mais j'avoue. C'est pas la bonne attitude. C'est pas du tout la bonne attitude, on est d'accord. Non. Alors, moi, ce que je voulais savoir, t'as évidemment fait plein de choses dans ta carrière, mais t'es quand même étiquetée comme une artiste très folk. Mm-hmm. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un morceau où on ne t'attend absolument pas? Ben j'aime beaucoup Feu de bois de Damso. Ouais. À part le moment où il dit des trucs un peu comme ouf. En général, le rap, t'as un rapport avec le rap? Et moi, pour de vrai, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est le fun à écouter. J'ai rien à dire. À part que. Ben, bravo ton tout le monde! Bravo tout le monde! Non, mais c'était pour savoir si t'en consommais, si t'écoutais un peu consomme. Rap. Oui, j'en consomme. Genre, c'est comme moi, oui, j'adore ODD, je l'écoute en boucle. Puis Feu de beau aussi de Damso, mais ben, j'aime vraiment Relsan aussi. Ça, par exemple, celui, j'ai écouté tout ton album complet. Puis je crois qu'il y en a beaucoup qui commencent à comme traverser l'océan, comme ouais. Ça. Moi, j'espère que ça va faire ça aussi, par exemple, parce que des fois, ça me stresse quand ça fait ça. Puis que
nous, on n'a pas beaucoup de place en France, genre. Ouais. Il y a eu une époque où il y avait beaucoup d'artistes qui venaient de Montréal ou des Français qui allaient à Montréal pour tourner leurs clips. Genre Diams. Ouais. Dans la boule de l'expo, man, pour « J'aime demoiselle, recherche un mec mortel ». Elle est à Montréal dans le clip, là. J'étais fière, je suis. Et si on se faisait feu de bois de Damso? Non, merci. Non. On essaye? Oui, oui. Il est dur à faire, hein. Baby, a baby, baby. Feu de bois, je te vois, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, je te vois, un, deux, trois, aide-moi, un, deux, trois, aide-nous, aide-moi. Feu de bois, je te vois, tu me dois, je te vois, montre-moi que tu dois ce que t'as fait de moi. Sur les toits, tu t'y crois, c'est déjà ce qu'on a fait de moi. Toi, fais de nous, prends pas la tête, je ne tiens plus le coup. Bavarder sans dire un mot, vu de mon silence, sans dire un sentiment, grandissant, figeant l'ego, prison de mots, sans ceux de compliments. J'ai vu l'âge à la nage et je fuis l'alcoolisme. Sur la blanche page, j'agonise. Ce que je pense, ce que je dis, ce que j'obtiens, ce que je vis. Soit c'est le père ou bien le fils, soit la BA ou bien la fille. Quelle note, c'est ce que tu penses de nous quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous. Je sais ce que tu veux vraiment quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Je sais que tu n'as plus le temps quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps. Baby, baby, oh baby, 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 oh baby, baby. Yes. Ça, c'est packshot. Quoi? Franchement, c'était chambé. Non, j'ai adoré. Mais pour vrai, c'est une expérience en soi, là. Mais ouais, t'as jamais rappé, en fait. C'est le plus grand défi musical de ma vie, je pense. T'as l'air honnête. Non, je te jure, je te jure. En fait, je suis... je pense à mon passé. C'est vraiment intense, là. Je vis un truc. Non, mais en plus, c'est archi-technique, Damso. Enfin, je veux dire, je pense qu'on s'attaque à l'un des... Oh shit! On sait ce que t'écoutes pas forcément, mais que t'es prête à faire, ce que t'as fait avec Damso. Oui. Mais par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que t'écoutes en boucle? Moi, j'écoute beaucoup de pop. J'adore le pop. Fait que moi, je suis une grande fan de genre Billie Eilish, Dua Lipa, Taylor Swift, tout ça. Est-ce que ce serait pas des héroïnes? Moi, je trouve que c'est super important en 2020 de faire le ménage dans l'espèce de slut-shaming puis de pop-shaming à la limite, de dire genre Ariana Grande, c'est pas une vraie, puis c'est juste une fille belle qui fait de la musique, mais c'est pas vrai du tout. Pour moi, c'est vraiment des héroïnes, genre, de ma vie, là. Ils m'inspirent autant que toutes les femmes, que j'ai lu leurs livres, que j'écoute leurs films, que je... Pour moi, des pop stars, c'est genre... Je sais pas, j'aime ça. Puis qu'ils soient habillés avec une culotte ou une robe au complet, là, je m'en fous complètement. Puis je trouve que c'est comme des bons modèles pour se réapproprier le physique, le mental, la popularité, l'argent aussi. Moi, c'est con, mais genre, j'aime vraiment ça, parler d'argent, puis voir que ces femmes-là, genre, aller voir c'est quoi le top des personnes qui vendent le plus d'albums, puis quand il y a des femmes, je suis comme, yeah, là, c'est autant d'argent que Jay-Z, puis... Super exemple. Au début des années 2000, tout le monde disait que Beyoncé était la femme de Jay-Z. Aujourd'hui, Jay-Z, tout le monde dit, ah, c'est le mec de Beyoncé. Qui l'a trompé. Et alors, quel titre t'aimerais qu'on fasse ensemble? Don't Start Now de Dua Lipa, qui est une chanson que j'écoutais vraiment sur repeat, genre constamment, constamment, constamment. Quand elle est sortie, j'étais genre... Puis pour moi, pour de vrai, cette chanson-là, la première coupe, est pas simple. C'est pas une chanson simple à écouter, c'est pas une chanson qui a une mélodie simple. Puis je trouve ça super, je sais pas, stimulant. Dans tout le truc, man, je prends des marches avec mon chien, puis c'est comme... Essayons de faire une version stimulante de ce titre. Let's go. Did a full 180. Crazy. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already. So moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if
Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. J'ai eu l'impression d'être dans un groupe de pop. Est-ce que ça t'arrive de danser? Ben oui, des fois, quand je... Dans le... Ouais, ok, oui. Oui, oui. C'est oui, c'est non, c'est oui, plus là. Hein. C'est oui, c'est non, non, je sais pas. Oh ah, bon, de retour. Déjà de retour. Alors, est-ce que t'aurais un petit pas de danse à nous apprendre? Allez, apprends-nous un truc et on le fait. Je fais un genre de truc comme un bébé comme ça. Ah ouais, ok. C'est bien, j'aime ça. Ouais. Tu peux faire un tour avec tes mains comme ça. Ah ouais? Wow. Ouh, smooth. J'ai tenté la fusion Dragon Ball, mais tu l'as pas non, faite. Non, mais moi, Dragon Ball, j'en ai rien à chier.